vie. Danse Calabar, move your body, it's time to party. Oui, c'est la vie. Danse Calabar, move your body, it's time to party. It's time to party. Oui, c'est la vie. Danse Calabar, move your body, it's time to party. Danse your body. N'oubliez pas les cigares. Danse your body, move your body. It's time to party. Oui, c'est la vie. Merci, Mrs. Marie-Christelle Bottenard. Bon, on va donc poursuivre avec le tout premier jeu de ce matin. Les messages, oh. Les messages, vous voilà, oh. Envoyez vos messages pour qu'ils soient lus. Sinon, si vous n'avez pas un message, nous, on éteint le morning show dans vos vies. 657-56-41-65. Ouais, en tout cas, les amis qui disent Super Friday, dit amusement du jeu. Donc, on va commencer avec le tout premier jeu de ce matin. Et juste après, chacun va devoir partager l'agenda de son week-end. Qu'est-ce que vous voulez faire ce week-end juste après le premier jeu? Et retrouvons donc la transition proposée par Mr. Kevin Handel. Bon, ce jeu est simple. Comme bonjour. Je n'ai jamais vu un jeu aussi simple comme ça. Proposé par MC Alvin Daniela. Bon, le jeu consiste en quoi? À quoi? On vous donne le nom scientifique d'un animal et vous nous donnez son nom comme vous vous connaissez. Okay? Pas toi. Non, mais pas comme ça. En français. En français ou en anglais? We take English or French. So what we do, we give the scientific name of an animal and you give the normal name of that animal. Donc le nom français du chien a un nom scientifique. Le chien, non, le chien a un nom scientifique. Ah bon? Ouais. Même les plantes. Voilà. Les plantes, on sait que c'est pour les remèdes, mais quand le chien a déjà un nom scientifique. C'est tout animal a un nom scientifique. Ah bon? Sans exception. Le papillon n'est pas papillon. Il s'appelle peut-être papillon là, un truc comme ça. Non, papillon, c'est l'espagnol. Non, il y a un nom là. Bon, on commence avec le tout premier de ce matin à la maison. Vous jouez aussi 57-56-41-65. C'est comme ça que le massacre commence. Merci là-bas. Laisse de first one. La panthère. Le lion. Un point pour Mrs. Marie-Christelle. Attention. Panthera Leo est le nom scientifique du lion. Le panthera, c'est quoi là? Panthera Leo. C'est le nom du lion. Ok? Oui. Merci. Okay. Next one, number two. L'Oxodonta africana. Quel animal? L'aigle royal. Non. C'est un oiseau. L'éléphant. L'éléphant. Oh, pour Alvin Daniela. L'Oxodonta africana. Now, yes. Now, you see, because we find more elephants in Africa. Africa. Yes, ah bon, than the rest of the world. Okay? We found more elephants in Africa. That's why it's called L'Oxodonta africana. Le jeu se joue en deux parties. Et qui? Et c'est que vous pouvez deviner la deuxième partie. Peter, let's have the third one. Galous, le gorille, okay. Le chimpanzé, okay. L'hippopotame. Pourtant, tu partais à BMC. Galous, le taureau, la panthère. Non. L'hippopotame. Non, plus petit que ça. Galous. Le chien. Non. Le chat. Non. Galous. Descends encore en bas. Galous. La vipère. Gorille. Non. Le singe. Non. Galous. Galous. Au galop, le cheval. Quand le cheval. Au galop. Galous, non. C'est pas le gorille. Non. En fait, l'animal là, on peut dire qu'il a un galous. Ce qui fait galous. L'oiseau. Pas le papillon. Pas le papillon. La chauve-souris. Pas la chauve-souris. Le hibou. Pas le hibou. L'aigle. Pas l'aigle. C'est consommable. Il a galop. Le pigeon. Les termites. Le pigeon, pas les termites. C'est consommable. Le poisson. Pas le poisson. Le poisson, galous. Which la poule. La poule. Un point pour Mrs. Marie-Christelle. Ouais, c'est la poule qui a pour nom scientifique Galous. Donc, quand tu as fait comme ça, j'ai cru que tu as compris. Mais tu m'as dit qu'elle a encore tapé comme ça là pour le poule. Pourquoi tu avais allé me pape? Donc, Galous. Next one. Number four. Escus ferus cabalus. Voilà. Féroce. Féroce. Ecus ferus cabalus. L'aigle royal. Non. Féroce. C'est un seul mot. Canard. Non, pas le canard. Ça commence bien avec C. Canari. Pas caméléon, pas canari. Cochon. Non. Canard avec C. Restez sur Ecus. Ecus peut vous amener vers l'animal.
Kangourou. Non. Crocodile. Écureuil. Non. Non. Tu dis que écousse, ça commence avec C. Ça commence avec C, le nom de l'animal. Écousse peut vous amener vers l'endroit parce que en français, l'endroit où on garde cet animal peut commencer avec E, K. Ouais. E, C, un truc comme ça. Le cheval. Le cheval. Un point pour Miss Marie-Christelle. Le cheval. Écousse, ferus, cabalus. Next one. Le number 5, c'est quelque chose de terrible. Bostoro. Le taureau. Non. Le bélier. Non. Bostaurus. Taurus. Taurus. Bos. Taurus. Bos. Tchac. La baleine. Tchac. Tchac. Un poisson. Tchac. Les fans de Ndolé. Tchac. Crevette. Crevette. Le bœuf. La vache. La vache. Un point pour Miss Marie-Christelle. Crevette comment hein? Mais il faut avoir la viande. La viande est là. Allez, hein? La vache. Vaches. Ouais. Bostaurus. Number 6. L'autre aussi là. Canilupus. Non. Familiaris. Voilà. Le chien. Le chien. Un point pour Miss Marie-Christelle. C'est un animal domestique. Quand Canis tu vois Familiaris. Lupus familiaris. C'est le chien. C'est le chien. Daniela. Le canal okay. Est pas domestique. Ah, si toi tu devrais le canal à l'intérieur de ta maison. Next one. Number 7. Souscrofa domestique. Le la souris. Non. Le chat. Non. Le cochon. Souscrof... La chèvre. Hein? Le cochon. Le porc. Le porc. Un porc pour Mrs. Marie-Christelle. Souscrofa domesticus. C'est nul autre que le porc. Le porc qui fuit. Qui, le porc qui fuit. Les noms, si. Hein? C'est antifri. Number 8. Ce sont plutôt les noms grecs. Hein? Number 8. Félix Catus. Le chat. Un point pour Alvin Daniela. Le chat. Pourtant, il y avait son prénom ouais. Devant et le reste. Félix Catus. Number 9, il en reste deux. Le crocodile. Le serpent. Cercopithecus. Estralopithèque. Cerco. L'écureuil. Cercopithecus. Caïman. Cercopithecus. Le gorille. Le serpent. Non. Le gorille, non. Le singe. Le singe, un point pour Mrs. Marie-Christelle. C'est-à-dire... Le deuxième nom scientifique de cet animal est macaca. Il n'est pas voilà, les macaques. Vous allez trouver, ouais. Macaca, ça allait être facile. Donc, c'est soit Cercopithecus ou macaca. Ce sont les noms grecs. Number 10, le dernier ce matin. Macropus, le pu. Non. Macro. Tchac, tchac. Serpent. Tchac, non. Macro, macropus, microbe, non, microscope, non, on prend l'avion, on prend l'oiseau, en bas, matin pêcheur, non, non, on prend l'avion, on part, c'est que c'est dans le nom du pays, vous allez facilement trouver, le crabe, non, le scorpion, c'est un pays du Commonwealth, ok, crevette, de quel pays, Camaro, est-ce, non, non, c'est un pays du Commonwealth. Ils ne sont pas écrevés, ce sont les écrevisses. Non. Comme pays du Commonwealth, le Canada, Ottawa. Non. Angleterre. Non. Un autre pays du Commonwealth. Le Cameroun. Non. Un autre. Le Royaume-Uni. Un autre pays du... La Tanzanie. Non. Est-ce que la Tanzanie est du Commonwealth? Ce pays est à part. Madagascar. Non. Un pays est à part. Un pays... Pays-Bas. Est... Non, non, comme tu as un pays bas, c'est qu'il a pas. Ce pays est à part. Donc la c'est personne une... qui trouve le pays trouve l'animal. Macropus. Kangourou. Kangourou. Australia. Un point pour Mrs. Marie-Christelle. On applaudit. Ouais. Yes. Macropus, c'est le kangourou. Et on parle là de l'Australie où la population des kangourous dépasse la population humaine. Humaine. Oui. Mrs. Marie-Christelle qui se prend là, on part pour 1, 6, 7, 8, 8 points. Wow. Alvin Daniela, 2 points. Ce qui fait en sorte que Alvin Daniela se tape le premier gage de ce matin. Et pour le deuxième round, c'est simple. On vous donne l'animal et vous donnez son nom scientifique. Merci. On commence donc avec le lion. Pantera Léo. Un point pour Mrs. Marie-Christelle. On part sur l'éléphant. Africana. Il y avait Africana à la fin. Les Odonto Africana. Un point pour Mrs. Marie-Christelle. On part donc sur la poule. Oh mon Peter. C'est pas tout. Galus, galus.
Non, c'est on dit c'est pas tout. C'est pas tout à la fin, c'est pas tout. Les Santa, ah, les Santa Africana. Non, les Sondota Africana. Oui, c'est ça. Voilà. Bon point. Les... Galus, Galus. Galus, Galus pour la poule. Galus, pour la poule. Le cheval. Et... Il y avait Cabal à la fin, Cabalus. Mais le premier c'était Curie. Qui avait Curie? I love the game. Écoute tous Cabalus. Non. Écoute tous Cabalus. Écoute tous. Non. C'était même trois. Écoute. Non, pas écoute. C'est pas comme écoute. Non, pas écoute. Écoute. Non, pas écoute. Le cheval, non, scientifique. Écoute. Elle dit que c'est pas rousse. Écoubous. Non. Écoulous. Non. La voix, tu nous aides avec la réponse. Le cheval, je pense, c'était Écous, le premier. Seulement Écous. Ouais. C'était pas Écous. C'était Cabalus. Non, pas, c'était pas Écoulous. C'était Écous. Férous. Voilà. Écous, Férous, Cabalus. Merci. On passe la vache. J'ai trouvé la vache sinon. Ouais. Le ndolin. Mais il n'y a même pas les indices. Tac, tac, bété. Là, il a tout gâté. Les initiales, du nom scientifique. Je ne suis pas parti au Katios. Il a dit bété, il a tout gâté. Bété. Batimus. Non. Mais tu es quelque part, pas Batimus. Batus. Non. Botus. Batero. Non. Attends un peu. Toros à la fin. Oui. Quand on voit une femme qui a une belle... Un beau derrière, il dit tu as là. Bostoros. Un point pour la vie Daniela. Bostoros. Number 6, le chien. Est-ce que ça va? Familiar. Familiaris. Familiaris. Quoi, familiaris? Oui. Quoi, familiaris? À la fin. À la fin. Quoi, familiaris? Quoi, familiaris? La réponse, la voix. Quoi, familiaris? Let's have the reply. Vous avez eu familiaris la fin. Can we have the answer? Le chien, le là chien. Était long hein? Number 6. Canis lupus. Oh là là. Voilà. Canis lupus familiaris. Oh là là. Number 7, le porc. Il y avait familiaris aussi. Non, il y avait domestico. Ah, voilà, okay. Domesticus. Domesticus. Ouais. Aïe. Lipro. Aïe, 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 aïe. Comme si c'était lipus. This is something terrible. Domestico. Ça commençait avec ces... cochon. La réponse, la voix, let's go speed. Oh là là. Et ensuite, on passe au chat qui est le number 8. Number 7, le porc non scientifique. On a dit domesticus à la fin. Personne ne trouve encore. On met la réponse. Nobody has the reply. Tac, tac, tac. Let's have the answer. Suscrofa domesticus, le porc. Et maintenant, le chat. Felis catatus. Aïe, aïe, aïe. Felis catus. Kélis Katus, un point pour Mrs. Marie-Christelle. Katus. Number 9, le singe. C'était encore qui le gars ici. Non. Macaca. Non. Non. C'est un nom très compliqué. Par la voix, mais il y a la réponse. C'est un nom très compliqué pour le singe. Australopithecus. Hein? Quoi? Australopithecus. Non, la voix, mais la réponse. Tiens, je vais raconter, on va lui donner le point. Australopithecus. J'ai tellement trouvé la fin. Australopithecus. Et maintenant, le kangourou. Australia. Le kangourou. C'était pourtant la fin. Oui. Pour le que je retienne. Avine Daniela, c'est sur toi et dégage. Peter, c'est le ça commençait par quelle lettre? Ça commençait par quelle lettre? La lettre M. M. Mm-hmm. Mandaratatu. Non. La réponse, la voix. La réponse, la voix, MC a dit microbe en pensant à cet animal. Oui. Parce que c'était... Macropousse. Macropousse. Donc, 4 points pour Mrs. Marie-Christelle, 1 point pour Alvin Daniela. Mrs. Marie-Christelle qui remporte la deuxième manche. Alvin Daniela, tu te tapes donc les deux gages. Attends, c'est le même jeu. Non, deux rounds. Mais c'est le même jeu. Non, si elle perdait, elle allait avoir aussi un autre gage. Aïe, Seigneur, Dieu me soit levé. Elle avait fait. Non, si elle perdait, elle allait faire le gage. Oui. Donc, Mrs. Alvin, je ne dois plus réfléchir, c'est le vendredi. Gage rousse. Ok.
You have to gage juste. Et je t'assure, j'avais un gage depuis la maison. Je voulais venir avec les pinces, mais j'ai oublié. La personne devait faire l'émission avec nous. Pouvoir parler un peu comme un pigeon. Mais ton gage, tu le sauras très bientôt, les amis, juste après la première pause musicale de ce matin. C'est le week-end, ça la ciel, les up the vibe. Et juste après, on se retrouve pour connaître les deux gages que va exécuter Mrs. Alvin, Daniela, les up the vibe.